et à tous, re-bonjour à toutes et à tous, ou rien du tout en fonction d'où vous en êtes dans la découverte de ce numéro 243, quatrième et dernier véhicule avoir été embarqué sur notre circuit de Chamblay, chez Francis Maillet Compétition, la Mégane RS dans sa définition Trophy en boîte méca. Il se trouve que la voiture est équipée de pneus Bridgestone, semi-slick équivalent Cup 2, que du coup vous en doutez, les 2 degrés extérieurs plus fine pellicule d'humidité sur la piste ne sont pas au top pour permettre de profiter de cette voiture. En tout cas, je ne vous cache pas que si cette voiture sur les 4 est certainement la plus archaïque dans sa définition de pilotage, boîte méca, traction avant, gros différentiel autobloquant, c'est aussi la plus naturelle finalement. Alors évidemment, tant que vous n'avez pas fait monter les pneus en température, et ça réclame du temps en temps normal, ça en réclame encore plus avec ces conditions météo, tant, je le disais, que ces pneus ne sont pas montés en température, vous ne pouvez rien en faire. Là, pour le coup, ils sont relativement chauds, mais si vous avez le malheur de lever le pied alors que la voiture est sur les freins ou en appui, je vais le tenter, mais à mon avis, ça ne va pas grand-chose ici. Non, ça ne bouge plus, je les ai trop fait chauffer. La voiture glisse, pivote et limite se met tout de suite en tête à queue. Donc, pour le coup, c'est une vraie voiture de piste, elle ne s'en cache pas. Elle n'est d'ailleurs pas particulièrement plaisante à emmener sur autoroute, comme on l'a vu ce matin en venant. Elle est particulièrement ferme, elle est beaucoup plus chère que ne l'est sa définition entre guillemets classique, même équipée du châssis Cup, lequel est disparu maintenant, a disparu de du catalogue, par le prisme entre autres des jeux d'options et surtout du malus, puisque je vous signale que cette voiture est affublée quand même, l'air de rien, d'un malus de 20 000 euros, ce qui porte son tarif hors options et notamment hors jantes céramiques ou genre carbone pardon, ou frein carbone céramique, à pas loin de 100 000 euros avec le malus. Donc on est dans des strates qui sont sidérantes, ça n'empêchera peut-être pas la voiture de se vendre auprès des aficionados du genre. Après, pour le reste, c'est poilant. Mais que va-t-on en faire? Je vous le demande. Moi, en attendant, je rigole.